contente. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bel exemple de faute. On n'a pas le droit de plaquer un joueur aussi haut. C'est dangereux. Je sais pas qui t'es, toi. Je crois que t'es un Italien. J'ai ta tête en mémoire. C'est pas bien. Oui, bien sûr. Fais des petits mouvements de Adjuma. Dans la campagne, on a rencontré des gens incroyables. Ça n'a rien à voir avec les Japonais qu'on croise à Tokyo, mais même Kyoto. Enfin, dans les grandes villes. Dans les grandes villes de l'île principale, surtout. C'est incroyable, on se fait accueillir, mais presque en fait comme en Corée. Thank you.
téléphone vient de faire un plongeon dans les onsen de pied là. J'ai eu trop peur. Heureusement que, je sais pas, j'ai un iPhone 10, il a l'air d'avoir bien tenu le coup, il me dit rien. Vive les iPhone 10. Franchement, croisez les doigts pour moi pour qu'il se réveille pas un peu plus tard quoi. J'ai eu trop peur. Il a fait un plouf. Onsen privé, intérieur et extérieur. On va aller se prendre un petit bain avant de manger, avant de mettre nos beaux yukata qu'on nous a préparés. Comme tous les jours. Il mange une glace au miel parce qu'apparemment c'est un produit de la région du Fouin. Le paradis de Kiki la petite sorcière. C'est voilà, là, Kiki la petite sorcière. Voilà. Allez, prends ton balai, avance. Moi, je veux retrouver mon Kiki en moi. Après 4 heures de bus, mais c'était beau, on est passé vraiment par les montagnes, on a vu ce qu'on pensait être un volcan en éruption, c'était assez impressionnant, le mont Asso. Donc on vient de croiser plein de Français, ça nous fait très étrange d'entendre parler notre langue un peu partout, vu qu'en Corée on n'a plus l'habitude. Hein. Et là, on se dirige vers l'hôtel, on va aller prendre des bières avec des gens qu'on va rencontrer ici. Et on verra bien ce qu'on fera ensuite. Faire une petite prière pour nos bleus. On est tombé un peu au hasard en partant visiter ce matin. Mais comme c'est jour de match, on va profiter. Mmh.
Et moi, j'ai aussi mon bras qui dit France. J'attends juste de croiser des Tongas, là. Baston ! C'est pas vrai, on en a croisé dans la rue, ils sont beaucoup, beaucoup trop musclés pour moi. Sac à dos, tu pourras le réutiliser. Ouais, je vais l'utiliser en sac à dos. Ça y est, c'est la fin du voyage. C'est la fin, il est l'heure de rentrer. On retrouve notre petit chat d'ici quelques heures et on a hâte. Un bonus, notre super collection de Pokémon. Et Olive joue avec Ronflex.